Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live dans lequel je vais vous parler de activer l'accès à l'illimité. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'illimité, de quoi on parle? Mais en tout cas, ce live concerne toutes les personnes qui ont des grandes ambitions concernant leur entreprise. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'ai envie de partager ce sujet avec vous? Parce qu'il y a des moments où on a des grandes ambitions concernant notre entreprise, on a envie de développer notre art, on est au cœur de quelque chose qu'on aime, on a ce désir intense de faire ce qu'on aime, et déjà, eureka quoi, c'est génial de faire ce qu'on aime et de se dire, tiens, j'ai touché du doigt ce que je sais ce que je veux. Ce que je veux faire et ce qui m'anime. Et puis on peut avoir aussi cette ambition forte de dire eh ben, j'ai envie de gagner ma vie avec ce que j'aime faire et puis d'avoir de très très grandes ambitions, de vouloir briller, de vouloir exceller et puis de devenir riche et prospère grâce à ce qu'on aime faire. La seule chose en fait qui est assez intéressante d'observer, si vous pouvez aussi l'observer chez vous, c'est que parfois notre générosité du cœur, les investissements qu'on peut avoir en termes d'actions qu'on va mettre en place ne sont pas proportionnels à la prospérité de notre entreprise, aux gains que nous allons avoir, au chiffre d'affaires que vous allez avoir. Donc là se pose la question. Se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand vous mettez tout en action, vous donnez tout de vous, votre cœur est sincère, vous êtes généreux, vous n'obtenez pas à la hauteur de ce que vous investissez. Rentre en jeu, en fait, l'état de conscience dans lequel vous êtes. Êtes-vous dans un état de conscience limité ou êtes-vous dans un état de conscience illimité? D'où l'intérêt de ce live, justement, où j'aimerais vous apporter un éclairage sur la différence de conscience et selon la conscience dans laquelle vous êtes. Eh ben, vous n'allez pas vivre les mêmes choses, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Alors se questionne de comment ça se fait que certaines personnes y arrivent alors qu'ils n'ont pas cette implication autant que vous, et pourquoi vous êtes impliqué, puis vous dites « moi, je n'ai pas les résultats que je veux », alors que vous donnez, comment dire, il y a une qualité que vous proposez que l'autre à côté ne propose peut-être pas forcément, d'accord? Bien sûr, mon objectif, c'est de vous amener un éclairage, justement, que la différenciation, elle vient déjà d'emblée de cette conscience qui est la base de toute chose. C'est-à-dire, selon la conscience dans laquelle vous allez être, vous allez obtenir un résultat plus ou moins différent. Une réussite plus ou moins différente. Un chiffre d'affaires plus ou moins différent. D'accord? Donc, ça change vraiment pas mal de choses. Ok. Alors, ce qui est important, alors j'espère qu'on m'entend bien. J'espère qu'on m'entend. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand nous fonctionnons dans un état d'esprit limité, alors nous nous sentons limités dans notre entreprise. Quand nous fonctionnons dans un état d'esprit illimité, alors nous nous sentons illimités dans notre entreprise. Quand je parle d'état d'esprit, je parle de la conscience, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si je suis dans un l'état d'esprit dans lequel vous êtes, la conscience dans laquelle vous êtes va déterminer l'espace vibratoire dans lequel vous allez vous développer. Si votre état d'esprit est limité, forcément, vous allez vous développer dans un espace vibratoire limité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les résultats que vous allez obtenir vont être limités. C'est la raison pour laquelle, parfois, vous allez vous sentir comme un... Vous sentez le plafond, vous êtes sur le plafond de verre et vous n'arrivez pas à dépasser ce plafond, justement, au niveau de votre chiffre d'affaires. Donc, je répète, et ça, c'est vraiment important à retenir. Et coucou, est-ce que tu peux me dire, Céline, si on m'entend bien, du coup, parce que j'ai pas de retour. J'ai commencé le live comme ça. Je te remercie. En fait, c'est juste pour vous dire, et là, c'est vraiment important. Selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes et la conscience dans laquelle vous êtes,
cette conscience-là va déterminer l'espace vibratoire dans lequel vous allez vous développer. D'accord? Donc si vous êtes dans un état d'esprit limité, c'est-à-dire que vous allez entretenir un mindset où vous allez vous êtes dans une équation de proportionnalité. Vous allez être dans une équation qui va être régie par la loi de cause à effet. Parce que je fais tant une quantité d'actions, alors je vais obtenir tant de résultats. Et vous êtes dans cet espace vibratoire-là, d'accord? C'est-à-dire que les résultats, vous êtes dans une mécanique de pensée qui dit que vous obtenez les résultats à la hauteur de votre investissement. Mais parfois, vous allez beaucoup investir, mais vous n'allez pas obtenir autant aussi. Donc, en fait, les résultats que vous allez obtenir, le chiffre d'affaires que vous allez obtenir, les clients que vous allez attirer, va dépendre en réalité du temps que vous allez investir, mais du temps qui vous est disponible, donc vous êtes limité dans la quantité de temps, et aussi dans l'énergie que vous disposez, à savoir que vous êtes aussi limité par l'énergie, votre réserve d'énergie. Donc, est-ce que vous pouvez déjà voir jusque-là que si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous êtes quelque part, vous vous êtes déjà limité dans votre expansion, dans l'expansion de votre entreprise, parce que vous avez défini que de toutes les façons, les résultats, les bénéfices que vous allez obtenir dépendent des actions, de la quantité d'actions, de la quantité de temps, de la quantité d'énergie que vous allez investir. Or, votre temps, votre énergie est limitée. C'est quelque chose qui est limité. Le temps ne fait que 24 heures, vous ne pouvez pas travailler H24, d'accord? Et à un moment donné, vous allez arrêter. Et puis après, au niveau en termes d'énergie, pareil. Et donc, comme j'ai dit, vous êtes donc régi par la loi de cause à effet, par une équation plutôt de proportionnalité. Et donc, imaginez que vous avez une grande ambition. Vous avez un désir intense là, que votre projet grandisse. Vous voyez que vous avez envie de voir loin en fait, et vous avez envie de voir grand. Seulement, quelles que soient vos ambitions, aussi nobles soient-elles, si vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette conscience limitée, l'espace dans lequel vous allez vous développer de toutes les façons est limité. C'est le résultat que vous allez obtenir. Vous n'allez pas obtenir plus que ça. Parce que c'est l'espace vibratoire que vous avez défini pour développer votre entreprise. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes en reconversion professionnelle. D'accord? Et puis là, vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé mon métier, je vais enfin pouvoir être photographe, je vais pouvoir faire exactement ce que j'aime, j'ai envie d'être thérapeute, ça y est, je me lance dans quelque chose que j'aime, je donne tout, j'ai une envie intense de réussir, je crois en moi, je crois que je suis capable de faire quelque chose de qualité, d'accord? Je suis capable d'offrir quelque chose de qualité. Okay. Et vous avez aussi envie vous avez l'ambition de gagner de l'argent avec ça, avec votre nouveau métier. Simplement, vous allez tout mettre en œuvre et vous allez voir que mince alors, malgré tout, malgré la générosité de votre cœur et votre expertise ne vont pas suffire pour que pour vivre la prospérité de votre entreprise. D'accord? Et là, le sujet vous parle. Donc, vous comprenez bien que qu'est-ce qui se passe? Votre rêve de réussite et de prospérité, votre investissement, la quantité de votre investissement dépasse complètement le contenant, dépasse complètement l'état d'esprit limité dans lequel vous êtes, qui est l'espace vibratoire disponible et présent pour que vous puissiez vous développer. Donc, vous allez avoir peu de résultats proportionnels à l'espace vibratoire que vous avez défini pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas obtenir la quantité de résultats que vous voulez. Vous vous dites, mince, il y a un problème. Vous allez doubler d'efforts pour atteindre votre chiffre d'affaires. Vous allez prendre peut-être des risques pour embaucher quelqu'un en plus dans votre équipe. Et puis, vous allez courir après les clients. Donc, voilà. Résultat du compte, vous tombez dans un engrenage du coup où ce que vous aimez faire, vous bouffe complètement votre qualité de vie. Et ça, c'est vraiment dommage, vous voyez ?
parce que vous avez enfin trouvé le ce pourquoi vous êtes fait, et vous allez finir par ne pas aimer tout simplement parce que vous êtes dans cet espace limité vibratoire dans lequel vous vous êtes développé et que, où vous ne pouvez pas dépasser cette limite. Donc j'espère vraiment que ce live va vous mettre en conscience que ça n'a rien à voir avec votre expertise, ça n'a rien à voir avec vos capacités, ça n'a rien à voir avec vos ambitions. Gardez-les mes amis. Ça a juste à voir avec cette conscience limitée que vous avez déposée au départ, que vous avez besoin de transformer. Il suffit de ça en fait. Accordez un espace vibratoire beaucoup plus large pour que vous puissiez être dans cet espace illimité d'expansion, et donc à ce moment-là vous allez recevoir des résultats, des bénéfices en illimité, puisque le contenant va être beaucoup plus grand. L'espace vibratoire, en fait, l'état d'esprit, vous allez donc passer d'un état d'esprit limité à un état d'esprit illimité. Donc un espace vibratoire limité à un espace vibratoire vraiment illimité, vachement grand, dans lequel à ce moment-là vous allez pouvoir recevoir. D'accord ? Donc je répète, quand vous êtes dans un espace limité vibratoire, vous recevez qu'à la hauteur de cet espace, pas plus. Si vous êtes dans un espace illimité, vous allez pouvoir recevoir plus. Et c'est ça que vous voulez, c'est ça qui est intéressant, c'est d'attirer davantage de clients à vous, d'avoir davantage de chiffres d'affaires. Et donc, comment faire pour renverser justement cette vapeur? Et bonsoir et bienvenue. Comment renverser la vapeur et être dans cet espace illimité, comme je vous le dis, qui est finalement la clé qui va être en corrélation et à la hauteur des grandes ambitions que vous allez avoir? La première chose à faire, c'est forcément de changer de mindset. Vous auriez besoin de changer d'état d'esprit et de conscience. Passer de l'état de conscience limité à l'état de conscience illimité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si, je vous dis, voilà, passer d'un état de conscience limité dans lequel vous avez défini un espace de réception vibratoire limité, donc vous allez recevoir uniquement à la hauteur de cette quantité-là de chiffre d'affaires, et vous passez à un état de conscience illimité qui est cette grande boîte, d'accord, dans lequel vous créez un espace vibratoire illimité dans lequel effectivement vous allez recevoir, vous allez pouvoir recevoir davantage. Il s'agit de ça en fait. Mais les deux aspects ne sont pas régis par la même loi. Celle-ci, dans la conscience limitée, est régie par la loi de cause à effet. J'agis et parce que moi, je suis en action, j'agis, en conséquence, j'obtiens quelque chose. Donc, mon résultat dépend de la quantité de ce que je vais investir. Ici, vous êtes régi par la loi de la création. La loi de la création, elle est régie dans toute sa puissance par les désirs, la puissance de votre intention et la puissance de vos désirs que vous allez imprimer dans votre subconscient. Il se trouve que dit la loi d'attraction? C'est ça qui est intéressant. Parce que quand on rentre dans la loi d'attraction, pourquoi est-ce que c'est une dimension illimitée? Parce qu'on rentre vraiment ici dans la puissance des lois de la nature. On rentre dans la puissance des lois de la nature. Si vous n'avez pas connaissance de ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas savoir. Mais j'espère que cela vous permet de mettre en connaissance, de mettre en conscience. Et la connaissance que, attends, il y a des lois de la nature qui sont là, qui sont valables pour nous tous, dans lequel, qui régissent le fait que tout ce qui est imprimé dans votre tout ce qui est imprimé dans votre subconscient et qui s'imprime en conséquence aussi dans votre vibration intérieure, la mécanique de la vie de manière naturelle, de manière quantique, fait que de manière automatique et naturelle, tout ce que vous vibrez devient matière. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, justement, quand on rentre dans cet espace de conscience illimitée, on rentre dans cet espace de la loi de la création dans lequel vous pouvez créer de manière illimitée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que votre imagination est illimitée. On est d'accord? Votre imagination est illimitée. Ça veut dire, coucou Fanny, ça veut dire que la création de votre réalité est illimitée du coup. Vous créez du coup, vous obtenez des résultats non
à partir de l'investissement de votre temps, de votre énergie, mais vous allez obtenir des résultats à partir du fait que vous allez programmer l'information de votre désir dans votre subconscient. Ce qui veut dire, mes amis, que quand on dit imprimer votre désir dans votre subconscient, vous permet de vivre la réalité de vie que vous voulez. C'est en cela que vous êtes dans un espace illimité. Parce que il n'y a pas de limite de votre énergie, c'est pas de ça, vous n'avez pas besoin de vous mettre en action, il n'y a pas de limite du temps que vous passez, ce n'est pas régi par ça du tout, c'est régi par une intention intense, une intention forte que vous posez dans votre subconscient, que vous imprimez dans votre subconscient. Une fois que c'est imprimé, enregistré dans votre subconscient, ça redescend dans votre vibration intérieure et c'est ainsi que ça se manifeste. Donc, en fait, c'est purement, hop là, c'est une pensée, en fait. C'est une pensée imprimée. C'est une pensée imprimée. Donc, vous pouvez être assis quelque part en buvant votre mojito dans votre transat et vous imprimez ce désir. Et plus vous maintenez, plus vous êtes focus, vous portez une attention concentrée sur ce désir que vous souhaitez vivre, sur ce désir, oui, c'est ça que vous souhaitez vivre, et plus vous allez maintenir ça, et plus c'est ce que vous allez vivre dans la réalité. Donc, vous êtes dans un espace illimité parce que vous êtes dans un espace de votre imagination, de vos désirs. C'est sans limite. Ça veut dire que si vous avez de grandes ambitions, sans limite, eh ben, c'est ça que vous allez imprimer, votre ambition exactement telle qu'il est, c'est ça que vous allez imprimer dans votre subconscient pour que ça puisse être vivant dans la matière, dans votre réalité de vie. Et vous voyez que c'est magique du coup, parce que toutes les grandes, peu importe les ambitions que vous avez, vous pouvez rêver de les vivre. Vous pouvez désirer de les vivre. Il n'y a pas de limite en fait. Parce qu'il n'y a pas de limite dans ce que vous imprégnez, dans ce que vous programmez dans votre subconscient. Parce que de toutes les façons, le soleil se lève, le soleil se couche, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Et ben, c'est la loi de la nature. Je veux dire, tout ce que vous programmez dans votre subconscient, vous le vivez dans la matière. C'est comme ça, de toutes les façons, que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou pas. Donc du coup, on est vraiment dans cet espace illimité où plus vous rêvez grand, plus vous vivez. Tout ce que vous désirez vivre, que vous imprimez dans votre subconscient, vous allez le vivre dans la matière. Donc c'est sans limite. Votre imagination, elle est sans limite. Donc la création de votre réalité est sans limite. Mais après, ça paraît un petit peu fou parce que du coup, ça voudrait vraiment dire que vous avez vraiment un réel pouvoir personnel, qui est un pouvoir inné, qui est le pouvoir de votre vibration intérieure. Vous avez un pouvoir créateur, en fait, de créer la réalité que vous désirez vivre grâce à la conscience de cette mécanique. Grâce à la conscience de cette mécanique. Donc, ça vous invite tout simplement. Déjà, ici et maintenant, la question, c'est pas « je ne sais pas comment faire » parce que ça, du coup, c'est ce que j'allais vous proposer pour répondre au « comment faire ». J'ai justement créé un programme qui vous permet justement de faire ce jump pour aller justement sortir de cet espace limité à créer un espace illimité où vous pourrez enfin exprimer votre art librement. Et après, c'est même pas un objectif de vie. C'est juste que je vais juste faire en sorte que ce que je désire, je vais le vivre vraiment, et je vais le vivre vraiment maintenant. Et c'est ça qui est extraordinaire, vous voyez. C'est juste dire que je ne vais plus rêver ma vie. Je vais faire en sorte de pouvoir la vivre vraiment, de redescendre ça dans la matière. Et le programme que je vous propose, qui est 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité, va vous permettre de le faire parce que c'est un programme justement d'intégration et de reprogrammation qui vous permet justement de dire « Ok, si je ne sais pas comment faire », juste le fait de voir ce live vous permet déjà d'avoir conscience, de dire « Ah, je comprends qu'est-ce qui fait que je suis limitée dans l'expansion de mon entreprise, dans le fait d'attirer l'argent à moi. » En fait, en réalité, je suis dans une conscience limitée qui ne me permet pas
D'accord? Et en fait, il y a un autre moyen, c'est qu'il faut faire cette transition vers une conscience illimitée qui vous permet en conséquence, justement, Attendez, j'ai un petit souci. Donc, je vais enlever mes écouteurs. J'espère que vous allez m'entendre quand même. Je pense que oui. Je pense que vous allez m'entendre quand même. Qui vous permet en conséquence de gagner plus parce que vous allez continuer à donner, ça c'est sûr, mais vous allez inverser l'équation, vous n'êtes plus dans une équation de proportionnalité, mais vous allez donner pour obtenir le max de résultats. Merci Fanny. Vous allez obtenir le maximum de résultats. Et c'est ça qui est bien. C'est en ce sens que vous êtes dans une conscience illimitée parce que vous allez être illimité dans ce que vous allez proposer aussi. Parce que vous allez vous laisser inspirer justement par ce qui vient à vous. Donc vous allez OK. Et en même temps, il y a cette réceptivité, le fait d'obtenir davantage et en abondance. Vous voyez? Et donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc effectivement, si vous avez des grandes ambitions, c'est vraiment important de changer, de transcender cette conscience limitée pour vraiment accéder à une conscience illimitée. Et après, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas poser d'action. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il faut juste faire la méditation, reprogrammer les trucs et puis après, hop, il y a tout qui se fait. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit par contre. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que le point de départ de toute chose, c'est de créer le contenant dans lequel vous allez pouvoir recevoir tout ce que vous désirez. Si vous êtes dans une conscience limitée, vous êtes dans un espace restreint. Donc c'est normal que quel que soit ce que vous allez investir, quel que soit ce que vous allez faire, le contenant de réceptivité, c'est-à-dire le contenant de votre chiffre d'affaires, va être limité, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Donc, en fait, les actions que vous allez poser, viennent après. Le point de départ, c'est déjà créer ce décor, cette conscience illimité, cet espace vibratoire illimité. Et ensuite, vous allez poser les actions qui vont émerger à partir de cette conscience et à partir de cet espace-là. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, mais n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord? Donc, il y a aussi autre chose quand on accède à cet espace, quand on accède à l'illimité, quand j'ai dit activer l'accès à l'illimité, accéder à l'illimité au-delà de cette conscience de dire ah ok, je sors de la loi de cause à effet et je passe à la loi d'au-dessus qui est la loi de la création dans lequel waouh, ok, je suis dans un espace illimité, je peux tout créer. Et en fait, je peux vraiment recevoir en abondance. Génial, d'accord? Donc, mes grandes ambitions, ils sont possibles. Parce que tout se crée, pas à travers... tout se crée non dépendamment de mes actions et ce que je vais faire, mais de ce que je vais programmer, de mon ambition que je vais programmer dans ma vibration, dans mon subconscient et dans ma vibration intérieure. Ok, d'accord. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Être dans cette conscience illimitée voudrait dire aussi, qu'est-ce qui fait qu'on considère ça comme une conscience illimitée? C'est une conscience illimitée parce que dans cette mécanique, dans cette mécanique que je vous propose de faire dans le programme, je vais vous inviter du coup à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. À qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire à votre nature profonde. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le point de départ de toute création de réalité vient de votre vibration intérieure, vient de la programmation de votre subconscient. Il se trouve que notre nature de base est originelle. Vous êtes constitués, nous sommes tous constitués à la base, dans notre vibration. Nous sommes déjà informés
de l'amour suprême, de la prospérité illimitée et de la richesse illimitée. Donc, tout ce qu'on recherche là à l'extérieur de nous est déjà une vibration présente. Le point de départ de toute création de réalité, c'est votre vibration intérieure. La seule raison pour laquelle vous ne vivez pas cette prospérité, cette richesse à l'extérieur de vous, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas connecté, vous n'avez pas connecté la vibration originelle qu'il y a en vous. Donc vous cherchez. Donc effectivement, dans le programme que je vais vous proposer, la première chose qu'on va faire, c'est de vous connecter à qui vous êtes vraiment, pour que vous puissiez activer. Du coup, une fois que vous connectez à cette vibration qui est là, ça devient votre référentiel. Votre référentiel devient la prospérité illimitée et la richesse illimitée. C'est déjà en vous. Cette vibration intérieure, elle n'est pas à créer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un but à atteindre. C'est juste un état qui est déjà en vous, qui a besoin d'être activé. Cette vibration intérieure qui est la base de toute création, qui est déjà là. Donc c'est extraordinaire, vous voyez ce que je veux dire ? C'est déjà là. Vous n'avez pas besoin. Ça a toujours été là. C'est encore là en vous, cette vibration de la richesse et de la prospérité, elle est encore là en vous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça sera toujours là et de manière éternelle en vous. Ça veut dire que à vie, vous porterez en vous cette vibration et cette énergie de la prospérité et de la richesse. Donc, n'en tient qu'à vous d'en avoir connaissance et conscience et de se dire, ok, moi j'ai envie de me brancher dessus puisque c'est déjà là. C'est quelque chose, la vibration de la prospérité et de la richesse ne vous quittera jamais, 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 jamais. Ça sera toujours en vous, vous le portez en vous. Ou que n'importe quoi, où que vous ayez dans le monde, quels que soient les projets que vous allez avoir, la prospérité, la richesse, ce que vous voulez vivre là, cette vibration-là, elle est existante déjà en vous. Vous voyez ? Donc, déjà avoir connaissance de ça, avoir conscience de ça et se dire, waouh, en fait, si j'active cette vibration qui est déjà en moi, qui est la prospérité et la richesse, je suis juste en train de reconnaître que je vis déjà dans un espace illimité. Puisque de nature, je suis fait pour vivre dans la richesse et je suis fait pour vivre dans la prospérité. Je suis voué à ça de nature, de par le fait que j'existe, tout simplement. Et la seule et unique raison pour laquelle je ne peux pas réaliser mes grandes ambitions, c'est que justement c'est un manque de conscience ou d'ignorance par rapport au fait que ce que vous cherchez, ce que vous exploitez à l'extérieur, vous l'avez déjà en vous. Donc quand vous l'avez déjà en vous. Donc, il y a vraiment dans le programme 28 jours pour établir la sécurité et la prospérité, l'intérêt justement du programme, c'est de vous sortir de cette conscience limitée qui ne vous permet pas, qui est énergivore en soi, dans lequel vous n'obtenez pas, dans lequel vous ne pouvez pas vous développer vraiment, dans lequel recevoir, attirer les clients, c'est complexe pour vous, dans lequel vous donnez plus que vous ne recevez. Vous avez la capacité de dire, ok, je change complètement de paradigme et de réalité de vie, mais ça va vous demander de vous ouvrir à cette conscience de l'illimité en vous reconnectant pleinement à qui vous êtes vraiment. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? L'idée, c'est tout simplement de vous réaligner, vous là, ici et maintenant, vous réaligner à cette fréquence vibratoire que vous êtes déjà. Et puis qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez juste réaliser le matin, vous allez vous lever, tu dis, mais en fait, la prospérité, je le porte en moi. C'est déjà en moi. La richesse illimitée, c'est déjà en moi. Je suis déjà en sécurité. Tout va bien. C'est extraordinaire. Ce que je cherche, c'est déjà là. En fait, la clé, c'est de cette conscience-là, je vais l'imprimer complètement dans mon subconscient pour que
toute ma réalité de vie, mes événements de vie s'alignent à cette conscience que je dépose. C'est ça. Mais ce que je vous dis là, vous allez dire, ok, comment ? Eh bien, le programme 28 jours, le programme 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité est un programme pratique d'intégration et de reprogrammation dans lequel justement je vous accompagne pas à pas. Vous allez intégrer progressivement cette conscience illimité dans lequel vous êtes, cette prospérité, vous allez vraiment l'actionner. Vous allez actionner cet espace illimité en vous de façon à ce que tous les jours, vous allez vous réveiller, vous dites, vous êtes déjà en sécurité. Il n'y a pas besoin de courir. Tout est là. Tout est déjà là. La prospérité est déjà là. La richesse est déjà là. Sauf que pour certains d'entre vous qui êtes surtout dans la spiritualité, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Vous le savez, je suis abondance, l'argent c'est mon copain. Ben, c'est bien beau en fait. Mais mes amis, faire des pensées positives, c'est en fait intégrer quelque chose, c'est une injonction dans laquelle vous allez intégrer quelque chose. Vous n'allez pas ressentir que ça fait partie de vous. Et ça ne marchera pas. Ça marchera un petit peu si vous voulez, mais ça ne tiendra pas dans le temps. Ça ne sera pas pérenne dans le temps. Donc, pour que la prospérité, cette prospérité, elle soit pérenne dans le temps et que vous ressentez vraiment une sécurité profonde aujourd'hui, mais demain, mais à vie, jusqu'à votre dernier souffle, rien, vous aurez conscience que cet espace de prospérité, elle est en vous. Donc, plus vous imprimez l'information dans votre subconscient et plus vous allez la ressentir, et c'est ce qu'on va faire dans le programme, on imprime, on ressent la sécurité, vous allez ressentir concrètement dans votre chair, dans votre corps, que vous êtes vraiment dans la prospérité, vous allez voir, ça va se manifester dans la matière. Je ne suis pas en train de parler de magie, mes amis, je suis en train de parler que moi, j'utilise les lois de la nature. J'ai juste pris le temps de comprendre comment nous fonctionnons. Mais c'est comme si, en fait, c'est comme si vous dites, oh, je rêve d'avoir une Ferrari et puis de rouler comme ça à 10 000. Moi, j'aimerais vous dire, mais enfin, la Ferrari, mon ami, il est dans ton jardin. Il est là. D'accord ? Donc, la première chose, c'est déjà de réaliser que ça existe. Et tu dis, ah ouais ? En fait, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Il est là. Ok, d'accord. Ah, la première chose, c'est de réaliser, de voir que c'est là. Puis la deuxième, c'est de savoir la conduire. C'est-à-dire, mais moi, je ne sais pas la conduire. Je dis, que c'est pas grave. Mon rôle, c'est de te dire que c'est là. Et puis mon rôle aussi, c'est de t'apprendre à la conduire. Et après, tu es libre de la conduire où tu veux, de l'amener où tu veux. Et puis, jamais tu oublieras qu'elle existe. Une fois que tu l'as conduite, tu sais, à tout moment, tu sais que c'est là. À tout moment, tu sais revenir que la Ferrari, elle existe. Et ça, mes amis, c'est vraiment le début de la réalisation de votre épanouissement professionnel et de votre épanouissement personnel. C'est le début d'une réelle satisfaction de soi, vraiment, dans lequel vous allez ancrer une satisfaction de soi, le fait d'être heureux et content de faire ce que vous faites et de se dire à un moment donné, mais oui, j'ai fait le bon choix et je me suis autorisée à quelque chose de plus grand. Donc, les opportunités que vous avez envie de créer dans votre vie là aujourd'hui, elles ne vont exister que si vous programmez ces opportunités dans votre espace de votre subconscient. Et que vous puissiez bien comprendre que les opportunités, ce n'est pas le nombre d'actions que vous allez faire. Mais en tout premier lieu, l'opportunité vient de ce désir imprimé dans votre subconscient et dans votre vibration intérieure qui se réalise ensuite. Il y a un ordre toujours dans toute chose. Donc comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser d'action, ça voudrait juste dire que l'action vient en conséquence après ce désir imprimé. Voilà. Donc, j'espère vous avoir sensibilisé parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est un, quel est votre désir aujourd'hui? Quel est votre projet professionnel?
De quoi vous... C'est quoi votre ambition, mes amis? Écrivez-le sur un papier. C'est quoi votre ambition? Que cela ne soit pas limité par ce qui est possible ou pas possible. Mais véritablement, si tout était possible, c'est quoi votre ambition? Autorisez-vous à ça. Vraiment. Et puis, une fois que vous avez écrit votre ambition, prenez conscience. Dans quel espace, dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je suis dans un état d'esprit limité? Cause à effet? Nombre d'actions, résultats? Ou beaucoup, beaucoup d'actions, pas de résultats? Ou est-ce que je suis dans un état d'esprit illimité dans lequel j'ai un espace vibratoire où je donne et je reçois davantage? Posez-vous la question déjà. Puis, si à un moment donné, vous dites « Ah ouais, là j'ai des grandes ambitions, mais je ne peux pas me développer dans la conscience limitée », alors je vais vous dire une chose, faites le programme. Parce que vous allez perdre du temps. Vous allez perdre votre énergie. Vous allez finir par détester quelque chose que vous aimez parce que ça va vous priver tellement, ça va être tellement énergivore, ça va être tellement énergivore pour vous que vous allez délaisser quelque chose pour lequel vous êtes fait, pour lequel vous êtes bon, vous voyez. Et ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Donc, profitez que le programme soit là, d'accord? On commence la semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi 28 avril, pendant 28 jours. Tous les jours, vous aurez des exercices justement pour permettre cette mécanique et puis cette intégration et cette reprogrammation. Et l'idée justement de ce programme va vous permettre d'imprimer cette conscience illimitée pour que vous puissiez vous reconnecter à la prospérité illimitée que vous êtes, que vous puissiez le vivre, le ressentir vraiment dans la matière. Et puis, instantanément, vous allez rétablir un espace de sécurité qui va vous permettre de développer votre art librement. Et ça fait du bien. Et aussi, du coup, d'attirer les clients et augmenter votre chiffre d'affaires. Et ça fait du bien aussi. Et beaucoup. D'accord? Donc, pensez à vous inscrire, du coup. Si vous voulez m'appeler avant pour avoir des renseignements par rapport à ce programme, n'hésitez pas à m'appeler. Durant ces 28 jours d'intégration, nous allons nous voir deux fois par semaine, le mardi à 19h et le vendredi à 13h. Et voilà. Donc moi, je suis heureuse de commencer ça avec vous. Et puis, autre information aussi, je ne sais pas si je vais réitérer ce programme. C'est important pour moi de vous le dire parce que c'est vraiment une impulsion du moment, là, une inspiration du moment que je vous propose. Donc, je ne sais pas si je vais la refaire. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets de la refaire parce que j'ai d'autres programmes que j'aimerais animer. Donc profitez-en, vraiment profitez-en. C'est un beau, beau cadeau que vous allez vous faire, un beau cadeau par rapport à vos ambitions. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez. Le lien du programme 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité est dans ma bio, dans le lien Linktree. Voilà, ou sur mon site internet www.armel-timine.com. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un like si vous passez par là, si vous la voyez en replay, ou que vous mettez un petit commentaire. Ça me ferait très, très plaisir. Merci beaucoup. J'espère que ce live va vous ouvrir la conscience et que vous puissiez activer, du coup, votre accès à l'illimité et votre pouvoir personnel. Je vous fais des bisous.